À quelques semaines des prochains événements, le comité des fêtes du 175e est heureux de vous présenter la programmation de la parade et des célébrations de la fête nationale et celle de la grande semaine des festivités. Comme toutes les activités qui se sont tenues jusqu'à maintenant dans le cadre de cette année 2017, les efforts n'ont pas été ménagés au sein du comité. Nous souhaitons vous offrir à la population une expérience qui pourront plaire à tous et qui resteront gravées dans les mémoires. Nous désirons remercier la vingtaine de bénévoles qui s'impliquent pour monter ces différents tableaux et les nombreux participants qui feront partie intégrante de cette parade. Cette dernière partira de l'école secondaire Louis-Jobin, empruntera le boulevard Cloutier, la rue Saint-Cyril, la rue Saint-Maxime, afin d'aboutir à la place de l'Église où la suite des festivités se déroulera. Tout au long de la journée, il y aura de l'animation musicale et en soirée, un spectacle sera présenté sous le thème « Hommage à la musique québécoise ». À 22 heures, les traditionnels feux d'artifice et à 1 heure, la fin des festivités. Donc, c'est un beau rendez-vous. On invite toute la population à venir en grand nombre aux festivités de la fête nationale. Évidemment, l'accès est gratuit sur le site. Donc, c'est la troupe à Roger Genois qui va prendre le plancher de la scène avec, entre autres, Gilles Paradis et Rénald Pagé, anciennement les réfugiés, qui ont été très actifs dans les années 70. Et ils vont nous faire un beau spectacle retour pour le 175e. Par la suite, à 21h30, nous allons avoir le trio BFM composé de Benoît Moisan, François Moisan et Jean-François Aubin. Alors, les deux frères Moisan sont ici avec nous aujourd'hui. Pour clore cette belle semaine d'activité, quoi de mieux que notre chouchou à Saint-Raymond? Donc, David Thibault va venir faire son spectacle. Donc, il va avoir des prestations spectaculaires parce que David fait d'un peu de tout. Donc, il va faire des grands succès de l'époque du rock'n'roll. Il va être accompagné de ses musiciens. Il amène les spectateurs dans un incomparable voyage dans le temps tout en donnant au rétro des airs de jeunesse.